Et salut à tous et à toutes, c'est Toupika, j'espère que vous allez bien les gens, car aujourd'hui c'est le retour de notre série préférée sur ma chaîne, et oui, il s'agit tout simplement de ce bon vieux Sairakun qui est enfin de retour pour, je vous l'avais annoncé, le let's play donc du tout premier Sai du nom, donc Sairakun sorti il y a longtemps sur PS2, je crois que c'était en 2002, 2001, m'en voulez pas si je ne me souviens plus la date. Et par contre, il a été remasterisé avec, donc dans Sai Trilogy, avec Sai 2 et Sai 3. Sur la PS3, la version que vous voyez en ce moment même, c'est tout beau, c'est tout fluide, c'est magnifique. Et ben, je propose qu'on commence directement ce nouveau let's play, les gens. J'espère qu'il vous plaira. Et vraiment, là, je compte sur vous pour partager ce nouveau let's play. Sly ! Entre donc ! Sly ! Tu me reçois ? Oui, je te reçois, oui. Bien. Un peu trop bien, même. Désolé, je suis un peu à cran. Il faut dire qu'on n'est pas vraiment invité dans ce commissariat. Relax, Bentley. Tu es dans le van. C'est moi le voleur qui doit piquer ce fichier à l'inspecteur Carmelita Fox. Oui, eh bien laisse-moi être tes yeux et tes oreilles. Je contrôle leur système de sécurité. Pour rentrer, tu vas devoir passer dans ce conduit. Entendu. J'y vais. Et n'oublie pas que je suis ton chauffeur, Sly. Contente-toi de récupérer ce fichier et de venir me rejoindre. On s'occupe du reste. Laisse donc tourner le moteur, Murray. J'arrive dans quelques secondes. Et voilà les gens, nous nous retrouvons enfin dans le jeu. Voilà, comme vous pouvez le voir, c'est le tout premier épisode du jeu. Donc on revient évidemment en arrière par rapport aux autres épisodes et notamment comparé à Voleur à travers le temps. Vous pouvez voir que voilà, les graphismes des personnages sont quand même moins bien faits, ça y est, moins beau. Voilà, ça, c'est quand même un retour en arrière. Là, on peut voir qu'il n'y a que Sai de disponible, que les contrôles ont complètement changé, puisque par exemple, il n'y a plus le distinguo entre le marché silencieux et le marché, enfin et la touche R1 pour courir. Sai court tout le temps au final. Et donc, on se retrouve là à Paris apparemment. Pour aller choper un fichier donc de police à une certaine Carmelita Fox. Je ne sais pas pour vous, mais moi, cette personne me dit foutrement quelque chose. Et donc on se retrouve à Paris, c'est magnifique. Le jeu commence à Paris. Comme là où se finit Sai 4, hein, c'est quand même bien foutu, bien pensé de la part de Sanzaru d'avoir fait terminer Sai 4 à Paris, là où commence en fait ce Sai Rakun. Voilà. En tout cas, niveau graphique, vous pouvez voir, c'est quand même vraiment très très, très agréable. Les gars de chez Sanzaru, puisque c'est également eux qui ont refait cette trilogie remasterisée, l'ont très très bien, vraiment très très bien faite, comme pour celle de Sai 2 et de Sai 3. Et donc, on récupère un maximum de pièces, déjà, comme d'habitude, dans la série des Sai, ça n'a pas changé. Eh hey Bentley, je crois que j'ai des visions. Je dois être pris de vertige. Tu vois ces lumières bleues, là? Ah oui? J'ai lu quelque part que les grands ratons laveurs avaient la faculté de repérer les bonnes opportunités sous la forme d'aura bleue. D'après mes recherches, tu dois t'en approcher et maintenir la touche cercle enfoncée pour réaliser un super coup de voleur à la dérobée. Maintiens la touche cercle enfoncée près des zones bleues. Entendu. Hop, et c'est là qu'on découvre enfin, je veux dire pour la première fois, l'aura de maître voleur, donc de Sai, qui lui donne des petits pouvoirs spéciaux comme ça, des petits glitches. Ah, c'est vraiment excellent de retrouver ces bons vieux éléments de gameplay extrêmement, extrêmement modernes pour l'époque, il faut le dire. Attends, c'était quand même incroyable pour l'époque, quoi, vraiment. Hop, donc on va tout de suite revenir là, je sais pas pourquoi je monte. Hop, on appuie sur le carré pour donner un coup de serpent. Ça, je pense que vous connaissez les gens, je pense que vous avez dû le faire aussi ce jeu d'ailleurs. Si tu touches un de ces faisceaux laser, tu déclencheras l'alarme et tu seras carbonisé. Hop. Donc encore les bons vieux pièges à base de laser qu'il faut éviter. Et la petite alarme à détruire si on veut que les lasers s'enlèvent. Vraiment, le bureau de l'inspecteur Carmelita Fox est derrière la porte rouge. Donc ce jeu, je l'ai quand même séché, hein. J'ai quand même fini à 100%, je le connais par cœur. Et donc, je voulais dire quelque chose, je ne me rappelle plus quoi. Ce n'est point grave. Je vous le terminerai, bien sûr,
à 100%, hein, comme à notre habitude. Donc la porte rouge, le bureau de Carmelita. Cette porte m'a tout l'air d'être blindée, Sly. On va passer par le dehors. Tu dois sans doute pouvoir la contourner. Comme nous le propose Bentley, hop. On utilise encore notre super coup de maître voleur. Et voilà, on est dans le bureau. On va saccager un petit peu tout parce que nous on est des gros vandales. Voilà, il n'y a plus de respect. Et une chambre forte. Bien joué, Sly. Tu as trouvé l'endroit où Carmelita Fox cache tous ses fichiers importants. En piratant le système de la police, j'ai découvert la combinaison 937 pour la chambre forte. Et donc c'est là qu'on retrouve évidemment les bonnes vieilles chambres fortes qu'il fallait activer. Donc on compose le code 937, chambres fortes qui étaient toujours présentes dans Side 2 mais qui ont disparu à partir de Side 3. Et hop, voici le fichier nous concernant apparemment. Bien joué, tu l'as eu. Maintenant, descends par l'escalier de secours et fonce vers le parking. Nous t'attendons dans le van. Hop, et comme toujours, la petite carte de visite Cooper, ça fait vraiment très plaisir. Et comme vous pouvez le voir, à l'époque, Bentley et Murray ne participent pas aux missions puisqu'ils restent dans le van à coordonner les opérations pendant que Sly va sur le terrain. Effectivement, on ne jouera pas avec Bentley ou Murray, ou pas vraiment, vous allez le voir dans certaines séquences, mais on ne jouera pas avec Bentley ou Murray dans ce jeu. C'est qu'à partir de Side 2 qu'on pourra prendre les commandes des deux amis de Sly. Alors, stupide raton, te voilà pris en flag. Ah, Carmelita, la dernière fois qu'on s'est vu, c'était à Bombay. Tiens, à propos, tu dois rendre la pierre de feu d'Inde à ses propriétaires. Oh, justement, je voulais vous la donner pour vous prouver ma bonne... Hé, ce bazooka fait vraiment bien sortir la couleur de vos yeux. Ça vous va très bien. Ah oui? Ce pistolet est paralysant. Tu veux essayer? Ça calmera peut-être tes ardeurs de voyou. Et que faites-vous de notre rendez-vous? Un dîner aux chandelles derrière les barreaux. Ça te tente? J'en rêve depuis des mois. Mais je suis venu pour prendre ce fichier. Vous l'avez gardé assez longtemps. Et voilà toujours la petite relation plutôt tendue entre Sly et Carmelita. Ah, ce bon vieux charmeur de Sly, ça fait vraiment plaisir de le retrouver. À ses débuts, j'ai envie de dire. Hop. On court, on esquive les tirs. Une mise en scène absolument incroyable pour l'époque, même si aujourd'hui ça nous semble terriblement nul. C'était quand même foutrement bien fait quand c'était sorti. Et vraiment incroyable. Hop, on esquive les tirs, on saute dans le van. Voilà. Tu ne m'échapperas pas, attends. Une fois de plus, nous avions échappé à l'inspecteur Carmelita Fox. À ma grande surprise, elle le prit plutôt bien. Enfin, le fichier secret de la police après tant d'années de recherche. Grâce à lui, je pouvais venger ma famille et reprendre notre bien le plus précieux. Tout commença lorsque je n'étais encore qu'un enfant. J'étais le descendant d'une longue lignée de maîtres voleurs qui avaient perpétré leur savoir en le rapportant dans un grand livre ancien. Le Volus Ratonus. Quiconque le lisait apprenait les subtilités du métier. C'est pourquoi ma famille s'était spécialisée dans le vol des criminels. C'est vrai, quel honneur et quel plaisir peut-on tirer en s'attaquant à des innocents? Alors qu'en volant un voleur, on devient un maître voleur. Hélas, le soir où je devais hériter de cet ouvrage, 5 visiteurs surprises vinrent frapper à notre porte. Mon père tenta de nous protéger, mais les intrus qui se faisaient appeler les 5 maléfiques étaient bien trop forts et ils ne tardèrent pas à trouver le Volus Ratonus. Le grand livre du vol de ma famille passa dans leurs mains sales et déshonorantes. Ils divisèrent notre livre en 5 parties, se les répartirent entre eux, puis disparurent chacun à un bout de la terre, assoiffés de crimes infâmes. Ruiné et seul, je me retrouvais à l'orphelinat de la ville. J'y rencontrais les 2 gars qui allaient devenir mes éternels partenaires et amis. Bentley, le techno-génie et fin stratège, et Murray, chauffeur occasionnel mais boulet permanent. Ensemble, nous fîmes la promesse de traquer les 5 maléfiques, de venger mon père et de reprendre le Volus Ratonus. Je savais que l'aventure était à double tranchant. Cette mission ferait de moi un maître voleur digne de mes ancêtres, ou à l'inverse, un pauvre loser qui n'aurait réussi qu'à souiller le nom de sa famille. Boum.
Bon, alors l'icône-sauvegarde, tu as vraiment fait du beau travail dans ce commissariat, Sly. Viens donc me voir si tu veux visionner tes anciens exploits. Ils sont tous sur mon ordinateur. Déplace-toi dans la planque avec le joystick analogique gauche et choisis avec la touche croix. Et voilà, nous retrouvons donc après cette petite cinématique d'intro qui a bien posé les bases. Vous pouvez voir que on sait donc du coup là d'où vient le Volus Fraternis en fait. Et que effectivement les 5 maléfiques sont emparés et on va essayer de leur reprendre. Ça va pas être chose facile les gens. J'ai déjà tracé le chemin vers notre première cible. Puisqu'on devra traverser 5 mondes tous plus dangereux les uns que les autres. Mais ça je préfère vous le commencer dans la prochaine vidéo. Alors je sais que ça va être pas une vidéo très très longue pour cette première vidéo. Mais sur ce jeu j'ai vraiment envie de faire quelque chose de structuré. Puisque au final je peux au final faire 2 vidéos par monde au final. Comme ça vous fera vraiment quelque chose de hyper structuré. Et je trouve que ça sera vraiment très très pratique pour regarder s'il y a vraiment un passage que vous voulez voir pour récupérer toutes les bouteilles ou je ne sais pas. Dans tous les cas j'ai vraiment envie de prendre, pas forcément prendre mon temps mais de me poser sur ce jeu, voilà. C'est un retour aux sources, un retour aux origines pour boucler la boucle de la grande saga Sly Cooper. Et en tout cas j'espère vraiment que ça vous plaira, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Oui, il est déjà temps de se quitter et on se retrouve le plus vite possible. J'essaie vraiment de faire la suite le plus vite possible les gens, mais j'ai beaucoup de boulot en ce moment donc je ne peux rien vous promettre. Dans tous les cas, je vous invite à partager la vidéo et à mettre un j'aime si elle vous a plu pour le retour. Une bonne fois pour toutes et voilà, ça va être magnifique, le retour de Sly sur ma chaîne. Je vous dis encore une fois, à plus, faites bien chauffer les pattes, bande de biatch, have fun. Et on se retrouve très vite pour la suite.